Bonjour. Bien. J'ai corrigé l'interrogation écrite de jeudi dernier. À quoi servent les comparaisons interlaboratoires Je pense qu'il est important de faire un rappel car les résultats sont catastrophiques. Alors, souvent les laboratoires pensent qu'en participant à une comparaison interlaboratoire, ils peuvent atteindre plusieurs objectifs. Mais ce n'est pas le cas. À part Adele, tout le monde s'est trompé. Bravo Merci, mais moi j'ai eu la chance de faire un stage chez BPA où j'ai appris que pour faire une comparaison interlaboratoire, c'est tout simple. Il faut concevoir, exécuter et évaluer des mesures ou des essais sur des entités similaires avec au moins deux laboratoires. Comme dans une méthode de mesure, il y a un mode opératoire à suivre dans l'ordre avec une succession logique d'opérations mises en œuvre lors de l'exécution. Mais en premier lieu, il faut définir la comparaison interlaboratoire. Son objectif est ses mesurandes. Puis, on choisit le support matériel et on va étudier son hétérogénéité et sa stabilité. Ensuite, on organise matériellement la comparaison. L'étape suivante consiste à exploiter les données collectées sur la base d'un modèle probabiliste. Et enfin, on rédige un rapport à destination des participants. Parfait, voilà pour les points communs. Mais si on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il existe différents types de comparaisons interlaboratoires. Il faut donc s'intéresser aux divergences et, ce qui va conduire à des différences, c'est la porte d'entrée, le préalable, c'est-à-dire le tout premier point, là où tout se construit, l'objectif. Alors, comment faire pour définir l'objectif d'une cible Arthur euh... Non, pas eux. Il faut se poser la bonne question. Est-ce que nous voulons évaluer les performances des laboratoires Est-ce que nous voulons estimer l'exactitude d'une méthode de mesure est-ce que nous voulons attribuer une valeur consensuelle à un matériau La normalisation internationale à ce sujet vient à notre aide. Pour chaque objectif, la réponse est différente car elle obéit à un modèle probabiliste sous-jacent. S'il s'agit d'évaluer les performances des laboratoires, la comparaison interlaboratoire prend alors le nom de... De... Mathieu Prend le nom de... De... Euh... De... D'essais d'aptitude. Deux normes le régissent. La norme ISO 17043, exigence générale concernant la compétence des organisateurs d'essais d'aptitude, et la norme ISO 13528, méthode statistique utilisée dans les essais d'aptitude par comparaison interlaboratoire. Les laboratoires comparés rendent le résultat comme ils le feraient à leurs clients, et l'objectif est de comparer les laboratoires quant à leur aptitude. Très bien, Adèle! Je vois que votre stage chez BPA a été bien assimilé. Maintenant, s'il faut déterminer l'exactitude d'une méthode de mesure, on s'intéresse à la performance de la méthode en quantifiant sa justesse et sa fidélité. La norme qui traite de cet objectif est la série des normes ISO 5725, qui est déclinée en six parties complémentaires. Notons qu'une valeur tracée métrologiquement n'est pas aisée à obtenir en agroalimentaire et environnement. C'est pourquoi... La justesse de la méthode est relativement peu souvent évaluée dans ces domaines. En revanche, l'exactitude de la méthode sera évaluée par la fidélité, à l'aide d'intercomparaisons reposant sur un plan d'expérience adapté. Les participants pris au hasard mettent en œuvre une même méthode de mesure et l'appliquent de manière stricte. Ils rendent au minimum deux résultats d'essais indépendants. L'objectif est d'estimer les variances de répétabilité et de reproductibilité. Enfin, si on cherche à attribuer une valeur consensuelle à une caractéristique d'un matériau, on va assigner une valeur à ce matériau. La norme correspondant à ce sujet est la norme ISO 17034, exigence générale pour la compétence des producteurs de matériaux de référence. Cette norme est complétée par un guide ISO 35 plus détaillé. Les participants sont particulièrement sélectionnés pour leur spécialisation du domaine concerné. Ces laboratoires reconnus Obtiennent des résultats sur des échantillons suffisamment homogènes et stables. L'objectif est d'estimer la valeur assignée consensuelle du matériau grâce à la valeur moyenne estimée. En conclusion, les cils ne peuvent pas servir à tout faire. En fonction de leur objectif, elles permettent soit l'évaluation de la performance analytique des laboratoires, norme ISO 17043. Soit l'estimation de l'exactitude d'une méthode de mesure (norme ISO 5725), soit l'attribution d'une valeur consensuelle à un matériau (norme ISO 17034). Vous l'aurez compris, les cils sont des outils puissants au service des laboratoires, mais qui demandent de définir précisément l'objectif poursuivi. Ce dernier justifie les analyses réalisées et leur interprétation spécifique.